Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je teste deux palettes qui se ressemblent mais qui n'est pas de la même marque. Donc une palette W7 et une palette qui vient du site AliExpress. Donc je vais tester les deux, voir s'ils se ressemblent. Donc les prix c'est différent. Donc ça c'est du AliExpress, donc je pense que ça doit être dans les 1 ou 2 euros. Et ça, c'est dans les prix, moi je les achète à Saga Cosmétique. Donc cette palette-là, je ne me rappelle plus vraiment combien que je l'ai payée. Mais je crois que je l'ai payée dans les 6-7 euros à peu près. Donc voilà, on va tester les deux. On va voir lesquels, s'ils sont bien, s'ils se ressemblent et tout ça. Donc c'est parti, déjà je vais vous montrer l'intérieur des palettes. Donc la palette W7 qui est comme ceci, qui est toute mignonne. Et la palette AliExpress, pareil franchement, qui est mignonne. Donc c'est parti. Je voulais quand même vous montrer de plus près comment sont les palettes. Donc voilà celle-ci, la palette W7. Voilà, toute mignonne. Et la palette de AliExpress. Voilà. Donc, c'est parti pour le test. Donc, j'ai swatché les deux palettes. Donc, j'ai swatché la palette W7. Donc, ils sont comme ceci, les swatchs. Voilà, franchement, trop trop belle. Franchement, c'est bien lumineux. C'est comme des toppers. Pour moi, c'est comme des toppers. C'est des toppers, même on pourrait dire. C'est en fait, vous mettez un fard à paupières mat et par-dessus, vous mettez ces petits toppers-là. Voilà. Je ne sais pas si vraiment ça s'appelle comme ça. Après, la palette AliExpress qui est comme ceci au niveau des swatchs. Qui est aussi jolie. Franchement, je suis étonnée. Donc, elle n'est pas pigmentée de fou. Mais il y a des couleurs que j'aime bien. Donc voilà pour ça. Donc c'est parti, comme chaque vidéo où je teste des palettes. C'est un côté, un œil par chaque palette, quoi. Donc W7 là et AliExpress de ce côté-là. Je vais essayer là sur cette vidéo de faire en accéléré sans vous parler. Et après revenir ensuite vous expliquer ce que j'en pense. Donc déjà tout d'abord, je vais vous expliquer les couleurs que je vais prendre. Je vais prendre toutes les violets là, le violet là et le violet là. Et après par-dessus, je mettrai ce topper là et celui-ci. Et en coin de l'œil, je mettrai celui-ci. Pareil pour l'autre, hein. Je me servirai pour la palette AliExpress de cette couleur là, là et là. Ensuite, je me servirai de ces couleurs-là et de ces couleurs-là par-dessus. Et dans le coin de l'œil, je mettrai tout ça. De toute façon, je vais bien vous expliquer, même si ça va être en accéléré. Donc, c'est parti.
make-up. Donc, j'ai pas fini là, j'ai fait mon teint déjà. Donc, j'ai mis de l'anti-cerne et j'ai mis un peu de lighter et de blush. Donc, on va continuer à se servir de ces petites palettes. Je vais faire mon sous d'œil et l'intérieur de l'œil dans le coin. Donc, allons nous servir de cette couleur là. Donc, celle-ci. Le petit violet. Hop. Voilà. Et pour l'autre palette AliExpress, pareil, ce violet-là. Et dans le coin, nous allons mettre cette petite couleur-là, violet. Voilà. Et le W7. Waouh. Oh, le W7, il est trop trop beau. Mon pinceau pour estomper là. Franchement, il est trop joli ce make-up. Et je vais mettre mon mascara, mon gloss et je reviens. Voilà pour cette vidéo. Elle est finie. Donc, voilà le make-up de W7. Franchement, je crois que c'était la première fois, je crois, ou la deuxième fois que j'ai utilisé. Je ne me rappelais plus. Mais je me rappelais plus ce qu'elle valait. Mais franchement, elle est magnifique, cette petite palette-là. Donc un peu de chute, mais moi ça me dérange pas. Franchement, trop trop belle. La palette AliExpress, alors elle est belle, mais sur certains fards, j'ai eu du mal à prélever sur mes yeux. Donc voilà le make-up de AliExpress. J'ai eu du mal, surtout celui-ci. J'en ai pas eu beaucoup sur mes mains. Fallait que je prélève. Et ouais, j'ai eu du mal. On voit que j'ai un peu. On voit quand je fais ça. En fait, on voit le fond, vous voyez. Donc, ouais. J'ai eu du mal un peu à prélever, mais autrement, elle est belle aussi, franchement. Pour un petit prix d'AliExpress, moi, je dis, elle est vraiment, franchement, elle est belle. Elle est vraiment pas mal. Je suis surprise de cette petite palette-là. Donc, évidemment, les prix, comme je disais au début, ils sont différents. Donc, je me rappelle, je l'ai payé 6 euros, cette palette-là. Et celle-ci, je ne sais pas, vu qu'on me l'a offert, je ne sais pas le prix de la palette, mais je sais que c'était sur AliExpress. Donc franchement, elle est vraiment trop 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 belle. Ils sont belles toutes les deux. Franchement, mon make-up, est-ce qu'ils se ressemblent quand je me regarde dans le miroir comme ça? Pour moi, oui. Ils se ressemblent. Donc franchement, c'est deux bonnes palettes. Donc. Qu'est-ce que vous en pensez de mon petit make-up sympathique? Je trouve qu'il est mignon, c'est sympa pour l'été, c'est bien coloré, c'est bien lumineux. Franchement, sympa, sympa. Donc moi, je vous laisse, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner à mon Instagram que je mettrai juste ici. Allez, bisous, bye bye!